Salut! On va apprendre à jouer du Merlin. Mais avant ça, moi t'apprendre à lire une tablature. Parce que c'est important. 5, 6, 7. 5, 6, 7. C'était tout croche, là. Et 0 représente ouvert. C'est-à-dire, j'appuie sur aucune case. La deuxième case, les zéros sont sur la corde du milieu. Donc 0, 0, 0, 0. Et sur la troisième case, les zéros sont sur la corde mélodique. Donc 0, 0, 0, 0. Et dans la quatrième case, on a un petit piège pour vous. On a installé le chiffre 2 sur la corde mélodique. Donc on fait 0, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Facile. Tiens, dans le temps que j'y pense, mon Merlin à moi est accordé en sol. Il y a deux types majeurs de Merlin. Il y a celui accordé en sol, que les cordes sont un peu plus grosses, un peu plus rondes. Mais ce Merlin-ci est très rond en oreille. L'autre Merlin est plus... je l'ai pas. Anyway, j'ai juste celui-là. Mais si jamais tu veux faire les exercices, puis les tunes, c'est les mêmes foutues notes, c'est les mêmes chiffres. Les mêmes chiffres marchent. Ça va donner la même mélodie, mais dans une tonalité différente. Ça va être la même chose, mais différent. Ça va sonner plus aigu, en fait. Au lieu de sonner comme ça, ça va plus sonner comme ça. Mais je peux pas...